Eh bien, salut tout le monde, c'est Raetu et bienvenue sur la suite des épisodes sur Kingdom Hearts Birth by Sleep. Dans l'histoire, d'accord, la dernière histoire un peu de cette trilogie, afin d'un peu de débloquer l'épisode final, qui sera un peu différent parce qu'il y a pas mal d'autres gens qui ont terminé les trois histoires pour voir un peu les trois fins, mais c'est pas vraiment la vraie fin que tout le monde attend. Alors, du coup, je vais essayer un peu de collecter, comme d'habitude, les rapports de Xehanort. Parce que la fin secrète, c'est un peu à perdre d'avance, parce que c'est un peu trop chaud quand même de compléter le journal, trouver tous les stickers, ouvrir tous les coffres, gagner toutes les courses. Tout ça, c'est vraiment, ça prendra beaucoup de temps afin de débloquer un peu la fin secrète. Et aussi utiliser tous les liens et les booster au maximum. Ça, c'est chaud aussi parce que d'habitude j'utilise pas tous les liens D. Bref, pour l'épisode final, c'est toujours je suis toujours en train de le faire pour l'instant. C'est toujours prévu. À partir de la fin un peu de l'histoire d'Aqua, je pourrais l'avoir, je pourrais le débloquer à la fin. Voilà, alors c'est parti pour le premier monde de l'histoire d'Aqua, le palais des rêves. Mademoiselle! Señorita! Wait! Aqua! Terra! Terra, Ven ran away from home. What? I think he left to go find you. Do you have any idea why? No. Actually, just before I left, he tried to tell me something. I should have listened to what he had to say. Oh. So, did you manage to locate Master Xehanort? No, but it seems he's looking for pure hearts, filled with light. Pure hearts? Filled with light? All I can tell you is that his search hasn't taken him here. All right. I'll stay and see if I can find more clues. Okay. The prince is in the ballroom ahead. He might have some answers. Thanks. Aqua. Hmm? You still have the same dream? Well, yes. There's this girl here. Her name is Cinderella. She made me realize how powerful it is just to believe. No matter how impossible things seem, a powerful enough dream will always be enough to light the darkness. Mm. If you see her, give her my thanks. Will do. He'll be all right. He won't give into it. Eh bien, c'est parti dans le palais des rêves. Alors déjà, je vais chercher un petit peu. Ouais, elle est toujours distinguée avec sa musique un peu, comment dire, un peu trop apaisante, on peut dire. Ah oui, le voilà. Ah, le premier coffre. Cristal fugace. Ça fait un petit moment que j'ai pas joué au jeu, alors du coup, je voudrais m'excuser d'avance parce que ça fait plus d'un mois que j'ai pas fait de vidéo sur la chaîne. Plus précisément parce que j'étais un peu trop, comment dire, trop occupé par quelque chose dans la vraie vie, truc qui se passe. Je peux pas en parler pour l'instant. En tout cas, j'adore un peu ces petits sauts comme ça, ces gestes un peu acrobatiques d'Aqua. Ça distingue un peu des autres personnages auxquels j'ai joué. Je parle bien évidemment d'Aqua et de Ventus. Et Terra, je crois qu'elle est un peu le mix entre les deux. Ah, ah non, faut sauter, mademoiselle. Voilà, sticker. Je
je peux pas faire la charge de mage. En fait, c'est un peu difficile parce que il y a des passages auxquels je vais rencontrer des boss assez c'est difficile un peu à battre. Du coup, utiliser cette charge évasif m'aidera beaucoup. Who are those ladies? Oh, if I recall correctly, that is Lady Tremaine, and those are her daughters. There was something very wrong about them. You came back. Huh? Oh, my apologies. I was mistaken. Your Highness, I found this on the palace stairs. A glass slipper. One dropped by a lovely young lady, and I'll search far and wide to find the maiden to whom this belongs. You will? Of course, Your Highness. After all, you finally found someone whom you wish to marry. Upon hearing that happy news, your father, the king, has decreed that a quest shall begin immediately throughout the kingdom. And I will start with the closest residence, that of Lady Tremaine. Lady Tremaine. I'd better pay her a visit. D'accord, alors on a reçu une carte qui permet de s'orienter dans le palais des rêves. Enfin, pour l'instant, on peut voir la carte parce qu'avant, c'était pas vraiment possible. C'était assez, assez problématique. Parce qu'elle était toute noire, alors du coup je peux pas savoir le passage auquel j'ai déjà été. Donc je vais juste essayer un peu de voir s'il y a des trucs à collecter ici. Oh! Je vais utiliser un blocage en faisant un saut. C'est génial. Alors c'est un peu différent de Ventus, c'est un peu trop même différent. C'est pas du tout... Ah oui, c'est un peu comme ça la charge qu'utilise la quest. Ça a l'air assez sympa en tout cas. Assez stylé. J'adore. Ah non, je vais entrer à l'intérieur du bal. J'étais déjà... Enfin, je vais en profiter de ce passage pour faire un peu de boost d'XP. Pourquoi pas booster un peu les dommages du personnage. À moins que je meurs. Oh, un flot magique. Wow, ça c'est magnifique. Ça c'est nouveau. Wow, je tourbillonne. Elle n'a même pas eu un seul moment de vertige. En faisant autant loyer sur soi-même. Ah, il y a beaucoup d'inertions ici. Allez, on récupère les points de vie et aussi les points d'XP. Viens ici. Ah putain, mais ils arrêtent pas de s'enfuir. Voilà. Il y en a encore un dernier. Et c'est bon, arrêtez de venir. Ok, alors c'est parti. Donc il faut pas partir par ce chemin là. J'ai pas été ici, je crois que c'est ce chemin là, c'est là d'où je viens. Je devrais vraiment rendre visite à... Pardonnez-moi. Ok, alors... Mais bon... Elle arrête pas de venir, ces missions, quand même. Pour juste rendre visite à la Détrimène ou je sais pas comment. Faut pas oublier de...
de faire apparaître des centaines. Bien, alors c'est parti. Non, c'est bien par ce chemin. C'est pas ce chemin de je viens de venir. Attends. Ah, la caméra qui me détourne là. J'essaie le maximum de faire du combat, comme ça je pourrai XP en même temps. Allez, c'est parti! Voilà, flux magique! Ouh, c'est magique! C'est magique ça! J'adore. Vous trouvez pas que c'est un peu trop stylé quand même? Je parle de la commande. De combat, de commande spéciale on peut dire. D'accord. Je viens de... Ah oui. C'est bien le bon chemin. Je crois que c'est... j'allais dans le mauvais sens. Ah, il y en a plein. Oula, l'impact. Oh, génial. J'ai monté en niveau 2. Ça valait le coup. Ça valait vraiment le coup de tous les combattre. Enfin, un peu pour monter en niveau, quoi. Waouh, commande niveau plus. Génial. Je sais pas quelle commande j'aime bien monter. Je crois que c'était c'est glacier, je crois. Attends, je vais voir ce chemin. Si... Ah non, il y a que des nations. Beaucoup de nations ici. Ah oui, j'avais oublié que je peux bloquer en sautant et en faisant l'action évasive. Je viens d'acquérir une potion, ok. Mais je crois que je peux pas utiliser la potion. Ouais. Je peux pas utiliser la potion. Ah oui, j'ai que 3 pour faire des commandes. Alors du coup j'ai même pas encore acquis soin. C'est pas grave. J'avais un peu l'habitude en tout cas. Allez, dans le ciel. Ouh, le combo, c'est génial. Waouh. Allez, vas-y. Il y a un coffre. Farewell.
Ah non, j'ai gâché le... l'attaque spéciale à la fin. Je sais pas si vous êtes encore au courant, mais je viens d'acquérir il y a pas longtemps quelques questions à partir de, du Ask, de mon Ask. Oh putain. Alors du coup, je vais changer un petit peu à faire, comment dire, un petit effet AQ. Pourquoi pas, parce que... ce serait bien sympa un peu de... d'interagir avec vous tous. Partir un peu des questions que vous, vous me posez à chaque fois. Alors, c'est parti. Alors ça sera vraiment pour très très bientôt, alors si vous avez un peu des questions, n'hésitez pas, je vais mettre un peu un lien dans la description, comme ça vous pouvez me laisser des questions que je pouvais répondre dans le prochain FAQ. Je crois que ça sera le deuxième, je crois, ou le troisième. Non, ça sera plutôt le deuxième. Le deuxième FAQ. Parce qu'il y a déjà un premier FAQ, je vais vous montrer un peu. Un lien pour le premier FAQ pour les gens qui n'ont pas encore vu. Ce serait l'occasion jamais un peu de découvrir un peu plus sur moi. Enfin, ça me dérange pas si vous posez des questions personnelles. Vous pouvez poser n'importe quel type de question. J'essaierai le mieux d'y répondre sincèrement. Voilà. Allez, un dernier coup. Oh. Oh là là, j'ai failli mourir. Wow. Ah oui, en changeant de commande, je peux regagner de la vie. J'avais complètement oublié ça. Un petit détail. Espérons qu'il y aura un petit drop de potions pour moi, parce que là je suis dans un sacré délire là dans ce... Ah, je suis monté en niveau 3, génial. Je suis en train de lancer des bulles. C'est vraiment sympa, c'est stylé, c'est différent. Je peux dire qu'il fait considérablement assez mal quand même. Voilà. Alors faudrait que j'aille où? Je crois que c'est par ce passage. Attendez. Non, c'est la cour du palais. J'ai déjà été par ici. Ah, je me perds assez facilement dans ce jeu. Ah, j'ai acquis une potion, j'ai même pas regardé. En fait, j'ai toujours vu qu'il y avait zéro, mais... ah, c'est nouveau ça. D'habitude, je regarde, mais là, c'est... c'est bien, c'est sympa. Oh non! C'est un piège! It's a trap! It's a trap! Mais il est assez faible en tout cas, je peux l'avoir assez facilement. Merci pour le... pour la juste de concentration. Alors là, je regarde mes points de vie. La boutique, on va acheter quoi? Faudrait acheter souvent.
Ah non, elle est pas encore... C'est vrai, pour parer les attaques dans tous les sens. Barrière. Ok, je vais acheter quoi si... On va acheter des potions, on va acheter 2, 3, 4... pourquoi pas, on va acheter 5. Juste au cas où, je vais pas vraiment acheter beaucoup parce que... De toute façon, en avançant dans le jeu, j'aurai accès à soin. Et voilà, on va voir de ce côté, il y a peut-être quelque chose ici. Ah oui, il y a un coffre, bien évidemment. Recette de magie, la recette indiquant ce que vous voulez créer ici, suite au mixage de commandes. Alors c'est une recette de commandes pour faire un peu un mixage qui permettra d'avoir une attaque surpuissante. Alors là, on est arrivé dans le, comment dire, l'Adi Meritine, ou je sais pas. Quite so. May I present my daughters, Grisella and Anastasia? As I feared, there is darkness here. Wait! It's dangerous to fight the darkness with light, my dear. Who are you? Cinderella's fairy godmother. I appear to those who believe that dreams come true. Then I'm honored. But why would you advise me not to fight darkness with light? Strong rays of sun create dark shadows. Sadly, Lady Tremaine and both her daughters are jealous of Cinderella's charm and beauty. Qualities that appear to you as light. Jealousy is darkness. Light and dark go hand in hand. You can't have one without the other. Then, what should I do? It's quite simple, dear. One of Cinderella's friends is trying very hard to keep her light from fading. I want you to join little Jacques and help him. I can do that. You'll need a bit of my magic to help Jacques. Come back and see me when you're ready. Voilà, je crois qu'on va s'arrêter sur ce passage. Ça fait plus d'une vingtaine de minutes. J'essaie de faire un peu, comment dire, une durée assez assez considérable pour chaque épisode. Comme ça, c'est plus facile à suivre. Alors, comme ce qui paraît, il y a des ténèbres ici. Comment dire, Lady Meritine, je sais pas comment il s'appelle déjà. On dirait que il va utiliser un peu le côté obscur pour empêcher Cendrillon de revenir vers le palais, ce qui veut dire de rencontrer le prince. Enfin, elle mijote quelque chose de pas bien. Alors, les amis, je vous remercie tous d'avoir suivi cet épisode. Et on se retrouve pour le prochain épisode de l'histoire de Daqua dans Kingdom Hearts Birth by Sleep. Allez, ciao tout le monde et portez-vous bien!